Yo Made In, Clash, en compétition au Festival de Cannes. Microphone, primé au Festival du Caire, Rags & Tatters, Antigone d'Or 2013. Derrière ces films, un homme, Mohamed Efzi, producteur d'une trentaine de films qui ont remporté plus de 80 prix. Mais que font les producteurs ? Leur mission va au-delà du simple aspect financier. C'est plus que ça, le réalisateur a vraiment besoin d'un producteur. Ce que je veux dire, c'est que le producteur est un peu le meilleur ami du réalisateur. Les producteurs doivent composer avec les doutes, les égos, les attentes et les peurs du réalisateur. Mohamed Efzi est au Cinémètre pour soutenir Certified Males en compétition long métrage. Premier film d'Hicham Saker. Une habitude pour le dénicheur de talent qui a produit la moitié de ses films avec de jeunes réalisateurs. Un goût du risque qui a souvent fait son succès. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un parieur ? Oui, bien sûr. Tous les producteurs sont des parieurs, même s'ils ne jouent pas que leur argent. Ils parient sur le succès, sur leur santé mentale. Ce sont des relations basées sur la confiance et on prend beaucoup de risques. Récemment devenu membre de l'Académie des Oscars, le producteur égyptien est reconnu aussi bien dans le monde arabe qu'à Hollywood.